Ici, on est au Darbata. En fait, c'est à Fès. Et cette installation s'appelle Digital Arabesque. L'originalité de cette création, c'est en fait de faire vraiment corps avec l'architecture et l'architecture marocaine. En fait, ce tapis de lumière comprend à peu près 60 motifs différents. Et ces motifs, en fait, font référence bien sûr à l'univers du Zellige, de la céramique, mais aussi de tout ce qui est lié à l'entrelacs. Et quand on se déplace en fait sur le sol, en fait, ces motifs s'agrandissent, se mettent à tourner. Et je crois que c'est une réponse intéressante de voir comment aujourd'hui la création contemporaine peut à la fois prendre ses sources d'inspiration dans une culture, en l'occurrence qui est liée à l'univers de l'art islamique, qui est un art au fond très mathématique. Et je pense que le fait de l'utiliser avec le monde digital, ben c'est un beau mariage. Et le fait aussi de le mettre en scène dans un lieu patrimonial, comme c'est le cas ici dans ce palais, je trouvais que c'est une idée qui va peut-être, j'espère, faire sens et va faire prendre conscience aussi que les Marocains ont là à la fois un patrimoine qui peut jouer de la contemporanéité avec les outils d'aujourd'hui. Enfin, ce qui est important aussi dans Digital Arabesque, c'est que, outre le fait de commencer par Fès, ce projet va se poursuivre dans 3 autres lieux qui sont Agadir, Tétouan, dans un très beau riad à l'intérieur de la Médina de Tétouan. Je terminerai cette installation à Essaouira, qui est aussi dans un autre très beau riad où il y a une mezzanine. Donc on pourra avoir une vision géographique de ces motifs.